Hey, salut à tous, c'est Redemption, on se retrouve pour la toute dernière vidéo en 2018 sur la chaîne, et pas n'importe laquelle, puisque à l'instar de ce que j'avais fait l'année dernière pour la fin de Pokémon Soleil et Lune, eh bien je vais donner mes meilleurs teams de 2018 dans le metagame Ultra Soleil et Ultra Lune Overused, hein, pas les soutières, j'aurais bien aimé, mais malheureusement comme les soutières changent très souvent, bah c'est pas forcément intéressant de vous donner des trucs pas à jour. Par contre, eh bien comme j'ai envie de changer un peu de style en Overused, de build de nouvelles choses, je me suis dit, eh bien je vais donner les meilleurs teams que j'ai build cette année en 2018 donc, et ça vous fera voilà pas mal de teams à rajouter dans votre builder, et pourquoi pas, ça vous permettra de progresser. En plus du coup, je vais pouvoir expliquer pourquoi j'ai fait ces teams, comment j'en suis arrivé là. Ça va faire aussi un petit résumé de l'année 2018 qui va être assez sympa. Je vais pouvoir aussi donner mon avis sur ce que je pense de la stratégie cette année. Donc j'ai 10 teams à vous proposer, hein, évidemment. Elles seront toutes dans la description. Je sais que vous êtes un petit peu fan des Poképast, comme ça vous pouvez faire un petit copier-coller, je sais que vous aimez ça. Et on va commencer avec la KB Coco, une team que vous reconnaissez évidemment parce que je l'ai joué lors du BO3 contre ABOR, hein, que j'ai présenté en vidéo pour l'OLT. Donc c'est une team assez particulière parce qu'elle est très faible à Itran, donc c'est pas si facile que ça à jouer, hein. Il faut quand même pas se leurrer, c'est pas extrêmement simple à jouer. C'est une team qui est donc basée sur Tapu Koko plus QRM Black, hein, l'électrique terrain qui va booster le Fusion Bolt avec HP Fire, Ice Beam, Roost. Tu n'as absolument aucun switch-in, ça fait partie des Pokémon les plus violents de ce metagame. Le Tapu Koko, Electrium Z, Wild Charge, HP Ice, Defog, U-Turn. Donc Defog, c'est vraiment très important. C'est une team avec deux Defog, hein, le Landorus et le Tapu Koko, car avec QRM Black, tu vas vraiment avoir envie de Defog très souvent. C'est très important d'enlever les pièges de rock avec ce Pokémon-là. Derrière, on a un Heatran défensif avec les Lefto. Alors, en vrai, à l'époque où j'ai joué cette team, j'avais mis Magma Storm, et aujourd'hui, je vous conseillerais Lavaplume. En vrai, mettez Magma Storm si vous jouez pas les pièges de rock et que vous jouez Protect, là c'est mieux. Par contre, si vous jouez les pièges de rock et pas Protect, vaut mieux mettre Lavaplume, hein. Je vais pas vous mentir. Mais bon, là c'est la team qui était comme ça avant, je vais pas la changer, hein. Ça porte malheur. Ensuite, on a un Tangrowth à Sauveste, un Tangrowth qui est devenu vraiment une valeur sûre de la fin du metagame. Peut-être qu'il va devenir moins populaire, pardon, si Zygarde est banni. Qui sait, on verra. Ensuite, on a le Mega Mawile, un Pokémon que j'ai énormément joué pendant quelques temps. Clairement, ça a été mon Pokémon préféré pendant une bonne partie de l'Overuse 2018. En tout cas, on a ensuite le Landorus Scarf. Bon, que dire de plus, si ce n'est que ce Pokémon est plutôt sympa. Defog Toxic, U-Turn, Earthquake. Alors, au vrai, aujourd'hui, je joue beaucoup moins Toxic Lando, hein. J'avais aussi pas mal joué à une période. Mais c'est quand même une team que j'apprécie beaucoup, qui sera forcément efficace, hein. C'est difficile de se foirer avec cette team. Voilà pour la première team. Donc, n'hésitez pas à aller la jouer. On va passer directement à la deuxième, qui est une team que j'ai build, pour le coup, très récemment. Pour la FCPL, c'est une team basée sur Oupa Choice Band. Alors du coup, on change totalement de style. C'est un Pokémon que je joue pratiquement jamais, Oupa Choice Band. Donc avec Hyper Space Fury, Gunk Shot, Fire Punch, Rain Punch, pareil, pratiquement aucun switching dans le metagame. Et ça fait énormément mal, un peu dans le style de QRM Black, hein, c'est un petit peu dans le même style. Ensuite, on a le Scizor, Curse, Bullet Punch, Roost, U-Turn. Alors faut savoir que Scizor, c'est un Pokémon que je jouais très peu avant, et alors là, d'un coup, c'est devenu mon nouveau Mega Mawile. Je vous disais tout à l'heure que Mega Mawile, je jouais beaucoup moins, et maintenant, c'est Scizor qui est devenu mon Pokémon préféré. Et en vrai, c'est un petit peu comme ça que le metagame s'est mis à jour, quoi. Le Scizor est devenu beaucoup plus joué que Mawile pendant une période, d'un coup, comme ça. Et bah, ça montre que l'Overused continue à se transformer, un peu comme ce certain Pokémon, Tornadus, qui est devenu pratiquement le meilleur Pokémon pivot, en gros, de l'Overused. J'allais pas dire offensif, parce que c'est quand même un Pokémon qui est beaucoup plus utilisé en pivot. Là, je le joue Zenmove Fly, alors c'est moins courant, en vrai, que le défensif, hein. Tornadus défensif est vraiment énormément joué. Mais bon, vu que là, t'as un Scizor et un Lando, c'est pas trop needed. Donc, le Tornadus, Z-Fly, Hurricane, Knock-Off, Heatwave, Defog, un Pokémon qui fait quand même le taf, et qui va défog extrêmement facilement. C'est le Pokémon qui défog le plus facilement de l'Overuse avec Tapu Koko. Ensuite, on a le Landorus Scarf, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Cette fois, il a pas Toxic, il a Stone Edge, qui est très fort, surtout qu'en ce moment, on a de plus en plus de Charizard et de Volcarona, donc ça peut être pas mal de les catch au vol. Ensuite, on a le Caldeo Sub-CM Scald Secret Sword. Alors, c'est un truc pratiquement inexistant en Overuse, mais que j'apprécie énormément, parce que, tout simplement, il peut surprendre, et surtout, face à certaines hyper-offenses, tu peux clairement 6-0 direct, quoi. Tu fais un petit sub, une petite CM, et c'est fini. Donc c'est un set vraiment dévastateur selon les match-ups. Tu vas avoir certains match-ups où si tu ne chopes pas de burn, bah tu vas absolument rien faire, donc c'est aussi un peu dépendant du Skull Burn, hein. C'est un set qui va fiche, quoi, qui va fiche le axe.
Donc, encore une fois, c'est une team qui est pas si facile que ça à jouer, mais en même temps, on peut pas avoir que des teams faciles à jouer, étant donné qu'elle est vraiment basée... C'est un peu le type de team qui est énormément basé sur le momentum. C'est-à-dire que tu vas devoir tout le temps avoir le momentum, du coup, il va falloir toujours faire le bon play. Si tu perds le momentum avec cette team, tu es vraiment dans la galère. Donc, du coup, tu vas devoir abuser des U-turns, abuser des double switch. Et clairement, c'est pas le truc le plus facile à jouer. Derrière, on a le Itran Lava Plume. Voilà, c'est le set, hein, le même set, mais avec Lava Plume. Ça prouve que je l'ai build assez récemment, du coup. Vraiment, ce Itran défensif est clairement un des Pokémon les plus stylés. Voilà, c'est un Pokémon qui est parfait en bulky offense, parce que c'est un Pokémon qui a une vraie présence offensive, mais en même temps, une vraie utilité défensive. Donc voilà pour cette deuxième team. Si vous êtes un fada de Oupa Unbound, ça peut être clairement parfait pour vous. On va passer à la troisième team que j'ai présentée en top ladder récemment, il me semble. Je sais plus si c'était en vidéo ou en live, en tout cas, c'est une team basée sur Charizard Y, donc un Pokémon très très fort en USMOU, malgré ce que vous font croire les usages, hein, qui font que Charizard Y n'est pas forcément un des Pokémon les plus joués. Eh bien, c'est un Pokémon incroyable. Alors là, ça, c'est une team très particulière. C'est une team très particulière parce qu'il n'y a pas de Scarf. Et le Pokémon le plus rapide, c'est Ash Greninja. Et c'est très rare que je joue ça. Merci la moto. C'est très rare que je joue ça parce que... moi j'aime bien jouer les Scarfs, j'ai vraiment envie de jouer de la Speed. Le fameux Excadrill Spedef qu'on pourrait croire assez mauvais. Hein. En général, les gens se disent « Oh là là, Excadrill Lefto, c'est un peu dommage de jouer ça parce que... Bon, c'est un Pokémon offensif, quoi. » Et pas du tout, en fait. C'est un Pokémon qui a une vraie, vraie utilité défensivement. Vous vous rendez pas compte à quel point il peut check des trucs, mais... extrêmement facilement, et surtout pouvoir mettre les pièges du roc et en plus les enlever quand t'as une team avec Charizard Y, bah ça mange pas de pain. On a le Tapu Bulu SD Unleash Protect Super Power qui a été un des Pokémon les plus vus pendant une vraie période aussi. Bon, là un petit peu moins parce que voilà, le metagame s'actualise et s'adapte, mais c'est vrai que ça reste toujours extrêmement fort, hein. Il check pas mal de trucs, il permet d'être moins weak à Alakazam, il permet d'être moins weak à Ash Greninja, à énormément de trucs assez violents, notamment les Tapu Koko. Et surtout, bah, c'est un vrai sweeper, hein. C'est-à-dire qu'après une SD, il n'y a pas tant de choses que ça qui peuvent se permettre de s'en débarrasser. Derrière, on a le fameux Zapdos avec Volt Switch Roost HP Ice Toxic, qui est un set très intéressant. Il n'a pas des fogs, hein. Ça pourrait paraître surprenant avec Charizard Y. Il n'a pas des fogs, mais il peut choper les Tangros, il peut choper les Gastrodon, il peut choper les Rotom Wash, ce genre de choses. Pouvoir les toxiques, c'est vraiment, vraiment utile. Surtout avec un Charizard Y qui va justement bien apprécier ce genre de petit toxique. Et surtout Volt Switch qui donne un vrai momentum. Dans ce genre de team, c'est très important d'avoir du Volturn, justement pour Charizard Y. Ensuite, on a le Itran Z-Acier. Donc, pareil, le Z-Acier qui a été popularisé au moment où Megalatias était incroyablement populaire. Les Z-Acier qui sont arrivés, et même après que Latios et Latias deviennent finalement plus trop utilisés, parce que cet est resté. Parce que, bah, il est très très fort contre les Hard Switch, notamment, voilà, les trucs qui vont venir. Les Ashgren qui vont croire qu'ils peuvent venir, mais ils se font one shot par les Zedacier, les Gliscor, pareil, il y a plein de petits trucs comme ça qui veulent venir, notamment les méga Alakazam, Alakazam qui est techniquement censé être un switch à Itran, et finalement pas tant que ça, hein, avec le Zedacier, donc ça peut être très très sympa. Pareil, les Garchomp qui peuvent venir, les Zygarde, hein, bon, Zygarde en vrai il prend, il me semble, 80, il meurt pas, mais ça fait quand même très très mal un petit Zedacier, donc c'est aussi pour ça qu'Itran va potentiellement être un des meilleurs Pokémon si Zygarde est banni, quoi, parce que t'auras même plus besoin de jouer le Zedacier, tu pourras juste jouer Zedfire. Tu fais Zedfire, il n'y a plus de switching, quoi. Et peut-être que ban Zygarde, en vrai, je dirais que c'est peut-être le seul argument qui ferait que Zygarde ne devrait pas être ban, quoi. C'est Itran. En tout cas, cette team est vraiment spéciale. C'est pas une team que je vous conseillerais si vous voulez commencer la stratégie, voilà, en mode no brain. C'est clairement pas un truc que je vous conseillerais. Parce que, voilà, ne pas avoir de Scarf, ne pas avoir vraiment un speed control incroyable et surtout. Pareil, c'est un truc où tu vas devoir clairement avoir momentum H24, jouer sur le Volt Switch du Zapdos très très souvent, faire des doubles sur Charizard, toujours avoir l'avantage des hazards. C'est pas facile, hein, c'est pas facile quand t'as seulement Rapid Spin Excadrill, mais les spikes avec H-Grade vont être très très importants. Donc voilà, c'est pas... en plus c'est un Itran, hein, qui n'a pas les pièges de rock, c'est un Itran pratiquement full offensif. Donc c'est pas un truc que les gens ont l'habitude de jouer, on va dire. Donc bon, en tout cas c'est une team que j'apprécie énormément, donc je vous la conseille si vous êtes un peu plus avancé dans le jeu. Mais sinon, voilà, hein. N'hésitez pas à jouer plutôt ce genre de team. Voilà, pour les débutants, c'est un peu ce que je vous conseillerais. C'est la team que j'ai build en live d'ailleurs sur Diggersby. Là on commence un peu la série des team 8BL.
puisque j'ai fait des lives sur tous les borderlines, et il y a des teams que j'ai particulièrement appréciées au point de les garder, ce qui n'est pas le cas de toutes évidemment, et celle-là je l'ai gardée, c'est une team avec Diggersby, Return, Earthquake, Quick Attack, Fire Punch, donc full attack, all out, comme on dit avec la Life Orb, et qui clairement n'a pratiquement pas de switch-in dans le jeu. Bon, un peu le principe du poké, donc encore heureux qu'il n'y ait pas de switch-in. Derrière on a un Toxapex, bon bah il fallait bien voir Toxapex aujourd'hui, hein. C'est un Pokémon que je joue pratiquement jamais. En tout cas dans mes meilleurs teams, c'est très rare qu'il y ait Toxapex parce que c'est un Pokémon que je trouve pas très fort. Voilà, je l'annonce, il va rarement être rentabilisé, quoi. C'est-à-dire que les Toxic Spikes aujourd'hui, tout le monde est hard préparé. Donc c'est un Pokémon qui va juste être là pour choper les Skull Burn. Peut-être que d'ailleurs il faudrait jouer Toxic, c'est vrai que c'est un Pokémon qui est très fort aujourd'hui, seulement s'il jouait Toxic. Les Toxic Spikes, c'est tellement devenu facile de s'y préparer que Toxapex avec Toxic, ça me paraît être plus intéressant. En tout cas, dans cette team, j'avais mis les T-Spikes, donc je pense qu'il y avait une bonne raison. Ensuite, on a Latias Scarf avec Healing Wish. Alors, pourquoi Healing Wish? Parce que, couplé à Garchomp et Diggersby, de toute façon, je pense sincèrement que Latias Healing Wish, c'est un des meilleurs Pokémon en Bulky Offense à chaud de l'Overuse, quoi. Ça te permet d'avoir un Pokémon extrêmement puissant en double, quoi. C'est-à-dire que tu peux abuser du Pokémon, tu peux te faire burn, tu peux te faire toxique, tu peux prendre un milliard de dégâts, tu sais que c'est pas grave puisque tu pourras le soigner derrière. Et ça, mine de rien, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la puissance de Linguish. Et ça fait remporter plein de games. Ensuite, on a le Sizer Mega avec Curse, hein, encore une fois. Curse qui permet de passer Z-Guard, hein, etc. Ça permet de ne pas être 6-0 par ce Poké. C'est assez triste d'être obligé de jouer Curse pour un Pokémon, mais bon, c'est le jeu. Donc Curse Mega, Curse Sizer Mega avec U-Turn. Un Pokémon assez stylé dans la team, le H-Grain, hein, on change pas une équipe qui gagne, le meilleur Pokémon de l'OU, et ensuite le Garchomp Zedrock. Alors Garchomp, c'est un Pokémon qui au début n'a pas du tout été apprécié par les joueurs en USM OU, alors que c'est un des meilleurs Pokémon de la 6G, de la 5G, il a été banni de la 4G, ça a toujours été un Pokémon extrêmement fort, et bien, début de la 7G, c'était pas vraiment le Pokémon le plus populaire, et récemment, il est devenu incroyablement populaire d'un seul coup avec le set SD Z-Move, que ce soit le Z-Rock ou le Z-Dragon. Il y a même le Tank Chomp qui est en train de revenir en popularité. Alors c'est une team vraiment pas très compliquée à jouer pour le coup. Hein. C'est vraiment du Spam Attack, puis Healing Wish, puis Spam Attack. Il n'y a pas grand chose. Hein. Toxapex, il va être là pour tenir les coups. Bon, franchement, ça c'est le genre de team que je conseillerais justement aux gens qui débutent. Parce que c'est là-bas, c'est une bulky offense classique que tout le monde peut jouer assez facilement. Voilà, on va passer ensuite à la suite, qui est la Lele Z Lando Medicham. Une team, pareil, ça c'est le genre de truc que je conseillerais vraiment aux gens qui veulent se mettre à l'overuse. C'est le classique, la classique bulky offense avec un Medicham, Fake Out, High Jump Kick, Ice Punch, Headbutt. Medicham qui est un Pokémon pas autant utilisé qu'on pourrait l'attendre, enfin je veux dire, c'est quand même un Pokémon qui a pratiquement pas twitché dans le jeu, un peu à la Mega Mawile. Il subit un peu le même destin que Mega Mawile, quoi. C'est un Pokémon qui a une grosse popularité d'un coup, puis les gens se rendent compte que finalement il y a peut-être d'autres Mega qui sont plus stylés, notamment Sizer Mega. Donc voilà, c'est un Pokémon par contre qui sera toujours fort, quoi. C'est impossible de rien faire avec un Medicham, tu feras toujours presque au moins un kill, quoi. Et c'est ça qui est bien avec ce truc. Ensuite on a le Lando Z-Fly, hein. Lando, bon, tous les sets sont forts, c'est vrai que le Z-Fly est particulièrement fort en ce moment. Pareil pour le Z-Rush, hein, c'est des sets assez incroyables. Donc avec les SR, derrière on a le Lando. Donc voilà, regardez, Magma Storm, Toxic, Protect, Curse Power, c'est là où tu joues Magma Storm, c'est avec Protect, c'est un set très intéressant qui va stall énormément de trucs, genre avec Protect plus Magma Storm plus Toxic, tu vas pouvoir weaken des trucs qui sont censés switch in facilement sur Heatran, et les weaken petit à petit, et finalement, ils font pas grand chose, notamment par exemple Gastrodon. Tu Toxic sur le switch de Gastrodon, tu fais Protect, il weaken, derrière tu peux même Magma Storm en anticipant une Scald ou un Toxic, et voilà, tu wall presque un truc qui était censé te wall, quoi. C'est assez intéressant. Et ne croyez pas que les Heatran sans les pièges de rock, c'est des Heatran qui ne servent à rien. Encore une fois, c'est une erreur que beaucoup de gens font, mais au contraire, hein, j'ai presque envie de dire que les meilleurs Trans, c'est ceux qui n'ont pas les pièges de rock. Ensuite, on a le Tangrowth à Sauvest, hein, on en a déjà parlé, rien de spécial. Alors, on a un Pokémon assez intéressant, c'est un Tapu Lele Scarf, qui est un set pratiquement devenu inexistant. Hein. En Overuse, plus personne ne joue Tapu Lele Scarf, alors qu'au début, c'était le seul set que tout le monde jouait. Donc c'est marrant de voir l'évolution du méta. Donc voilà, Tapu Lele Scarf, dans cette team c'est un peu obligatoire, hein, t'as besoin de vitesse, t'as besoin d'un truc qui va RK les trucs un peu que genre Alakazam, quoi, pour pas être mono weak à Alakazam, tu vas avoir besoin de ça. Tu pourrais jouer en vrai je pense que tu pourrais jouer Specs Lele, Z-Move, Heatran, SR et Scarf Lando. Il y a moyen de faire ça. Tu joues Specs Lele, Z-Move, Heatran, Scarf Lando, la team serait correcte, je pense. Mais du coup il faudrait jouer un Def Rotom. Ouais, il faudrait jouer Defensive Rotom.
Là, c'est un Rotom Spedef pour être moins weak à Ashgren, parce que avoir que Tangrowth, c'est pas ouf. Hein. Il suffit que tu te fasses Stack Hazard ou Flinch, et puis c'est un peu mort. Donc, avoir un truc qui vient un peu sur Ashgren au moins une fois, ça peut être sympa. T-Wave, faut pas être 6-0 par Volcarona. Très important, hein, Volcarona absolument broken. D'ailleurs, on verra une team avec lui tout à l'heure. Il faut en parler de Volcarona, il faut en parler. Donc voilà, très important d'avoir T-Wave. Enfin, ne changez pas les sets. Il y a des gens, des fois, ils prennent mes teams et ils changent les sets. Si je dis qu'il ne faut pas changer les sets, ne changez pas les sets. Ne mettez pas Will-O-Wisp. Ne mettez pas Toxic ou je sais pas quoi. Mais ne mettez pas Pain Split, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Donc voilà pour cette team. Encore une fois, ça c'est une team que je conseillerais par contre hein, aux gens qui veulent débuter la strat. Un peu comme la Digger's Beast, c'est des teams assez faciles à jouer. Ensuite, on va passer... Bon, il fallait en parler. La double glaire, vous la connaissez. J'avais déjà fait une vidéo entièrement consacrée à cette team. Une team très très importante pour moi parce que c'est clairement celle qui m'a fait passer à une étape supérieure en gros, qui m'a permis de qualifier pour l'OLT, qui m'a permis de me faire acheter au Snake et que j'ai remporté après le Snake. Donc c'est vraiment une team qui a été très importante, qui m'a fait énormément step up. Donc je suis très reconnaissant pour cette team. Il faut savoir que pour la petite anecdote, cette team on la build en live. Donc voilà, toutes mes meilleures teams, il faut croire que je les ai fait en live. Du coup hein, la Z Ground Zygarde, ça c'est pour moi le meilleur set de Zygarde. La double glaire, hein, c'est aussi pour ça que je dis que glaire c'est broken. Et alors faut savoir que à la base on me dit souvent oui, cette team est forte parce que tu joues double glaire, tu comptes sur le axe. Pas du tout, à la base le glaire c'est pas pour essayer de axe, c'est pour ralentir les Pokémon adverses et sweep avec Mawile. Cette team elle est build justement sur le sweep Mawile. Tu essayes de paralyser les Tornadus, les Heatran, les Tapubulu, après tu tapes une SD avec Mawile et tu sweep. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en général quoi. En général c'est soit Mawile, soit Zygarde qui va faire le taf. Unchancy, Ilbel, SR, donc tu pourrais jouer Toxic sur Ilbel. J'aime bien Ilbel parce que ça te permet de laisser burn par exemple sur le Mawile. Voilà, tu te fais burn par des Rotom ou des Sableye Mega en mode c'est bon, c'est pas grave, je ferai Ilbel plus tard, ça peut être pas mal. Pareil pour les Serperior qui va souvent se faire toxique. Donc du coup, tu vas avoir bien envie de Ilbel. Ensuite, on a le Celestia. Il en l'Andoruscarf, hein, pareil, Toxic. Bon, par contre, Toxic, c'est important parce que tu es 6-0 Zapdos. Hein. Zapdos, c'est un cancer absolu, donc t'as vraiment besoin de Toxic. Et donc, le Celestia, d'ailleurs, il me semble que c'est la seule team où je joue Celestia. En vrai, cette team, c'est la team tryhard. Ça veut dire que c'est la seule où j'ai build en mode, il faut qu'on ait une team incroyablement puissante, plutôt qu'une team que j'apprécie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est forte, c'est-à-dire qu'en général, je vais souvent build des trucs que j'ai envie de jouer. Et celle-là, j'ai pas réfléchi comme ça, j'ai réfléchi en mode... qu'est-ce qui va détruire l'Overuse. Et ça marche, il faut croire qu'à chaque fois que je la joue, j'ai fait le suspect en 4 heures la dernière fois, en spammant cette team, elle a toujours autant d'efficacité, donc c'est pour moi la meilleure team de toutes. C'est pas la plus facile à jouer, parce que les gens vont avoir tendance à juste spam les Serpe Zig sans réfléchir au gameplan. C'est une team qui a besoin de gameplan. C'est pas une team qui a besoin d'énormément de double switch ou du momentum à tout prix, mais c'est une team qui a besoin d'un gameplan. Il faut pas jouer n'importe comment. De toute façon, toutes les teams ont besoin d'un gameplan, mais celle-là particulièrement. Ensuite, on passe à une autre team que j'apprécie énormément, qui est assez importante parce que c'est une team que j'ai build pour le Snake. Du coup, il me semble que j'avais joué ça contre Eternal Spirit. Il faut savoir que Eternal Spirit est un très bon joueur en team tour. Il a un ratio de, il me semble, 21 victoires pour 3 défaites. Et du coup, dans les 3 défaites, eh bien, j'y a moi, puisque je l'ai battu avec cette team. Et c'était un de mes plus beaux matchs, je pense, que j'ai jamais fait sur la scène stratégique Smogon. Et avec une team que j'adore, quoi. C'est un Z Electric Lele. Alors, pour le coup, cette team est très, très difficile à jouer. C'est vraiment pas un truc que je conseillerais. Parce que cette team a plein de faiblesses, du coup. Moi, j'ai l'habitude de la jouer, donc je sais les doubles qu'il faut faire. Je sais les game plans et tout, mais... pour débuter, c'est vraiment pas facile. T'as un tirailleur défensif plutôt, enfin défensif, avec une spread défensive SR poursuite Stone Edge Fire Punch qui va tuer les ferro, qui va pouvoir poursuivre les Tran, switch in sur Tran et tout. Gastrodon également qui permet d'être moins weak à Itran, qui permet aussi de venir un petit peu check à la Kazam avec Celestia. Donc en fait t'as des corps assez intéressants. T'as Gastro Scellé, Gastro Titar, des petits corps comme ça qui permettent de check à peu près tout le metagame. Oui, qu'il n'y a pas grand chose en vrai. On a le Serp Subseed, un set que j'ai pas si souvent joué que ça, le Serp Subseed quand on y pense. Parce que c'est un set qui est pas si fort. Jouer Serp sans glaire en vrai en 2018, j'ai envie de dire, c'est pas forcément incroyable. Mais j'avais envie de jouer ça parce que je trouvais que Eternal Spirit était très weak à ça. Du coup, on a le Z Tapu-Lele Electrium parce que je pensais sincèrement qu'il allait ramener un Celestia. Pour le coup, c'est super intéressant. Celestia, pour cette team, c'est tellement cauchemardesque, j'ai envie de dire, que
tu ne peux pas te permettre de jouer Z-Fight, en fait. J'ai presque envie de dire, t'as besoin de Z-Sender. Ne jouez pas T-Bolt. Important de ne pas jouer T-Bolt parce que ça fait 0 dégâts, ça tue pas Celestia, et c'est un peu le but. On a encore Scarflando, décidément. Alors Scarflando, très important de ne pas jouer toxique, très important de jouer HP Ice pour pas être 6-0 par Zygarde. On va passer à une team, encore une fois, que j'ai build en live, on ne s'arrête pas, et celle-là, bon, c'est une team un peu bizarre. Vous expliquer pourquoi. C'est une team basée sur Xurkitri Scarf. Voilà, c'était le BL de la soirée, c'était Xurkitri Scarf. Alors cette team, c'est un peu la team mainstream avec un Xurkitri. C'est-à-dire que cette team, tu pourrais mettre n'importe quel Scarf de l'histoire de l'humanité sur Xurkitri. Un Lando Scarf, un Cartana Scarf, un Lele Scarf. Tu pourrais mettre ce que tu veux en Scarf à la place de Xurkitri, ça marcherait. Parce que t'as du Sizer, Bulu, Zygarde, Ashgrain, Itran. C'est tellement mainstream que j'ai envie de dire... C'est même pas moi qui ai build cette team, quoi. Parce que j'ai fait cette team en live, mais je veux dire, n'importe qui aurait pu arriver là, quoi. Y a pas de réflexion derrière ça. Mais ça peut être, c'est une team intéressante, déjà parce qu'il y a Xurkitri. Donc si vous avez envie de jouer avec Xurkitri, c'est pas cool. Mais aussi, c'est intéressant pour vous, si tu veux commencer Pokémon, enfin, si tu veux commencer la stratégie vraiment à fond, c'est parfaitement le genre de team qu'il faut essayer. Parce que c'est typiquement le genre de team très facile à jouer, parce que t'as toujours un switch assez évident. Allez, on va passer l'avant-dernière team, qui est une team, encore une fois, que j'ai build en live, et sur Mega Galan. Alors ça, c'est une de mes teams préférées, et pourtant, elle a énormément de points faibles, notamment Volcarona, et notamment Reuniclus. Du coup, le Pokémon le plus important de cette team, c'est Tapu Fini. Clairement, c'est Tapu Fini. Parce que bah, c'est un Pokémon qui va être un peu là pour ne pas se faire sweep par un milliard de trucs. Il y a tellement de trucs qui peuvent potentiellement te sweep. Ça va être très important de garder Tapu Fini le plus possible. Il va spammer les Nature Madness. Et surtout, il va vraiment avoir besoin de taunt. Hein. S'il ne veut pas se faire sweep par les trucs genre Reuniclus, ça va être important. Pourquoi tu te fais sweep par Reuniclus? Parce que tu as Zygarde Z-Steel. Zygarde Z-Steel, ouais, c'est la seule team de l'histoire où j'ai joué Zygarde Z-Steel. Je la trouve très sympa. Parce que justement, Galan il va avoir un peu peur des Clefs. Et Zygarde Z-Steel avec Clef, c'est un combo très très intéressant. Voilà, c'est une team qui est pas très très forte, c'est pas la meilleure team du monde, hein, mais je l'apprécie. Voilà, c'est un peu la team que tu sais qu'elle est pas incroyable, mais tu l'aimes quand même, voilà, c'est ton petit bébé, donc tu la kiffes. Voilà, Mega Galan, c'est un de mes Pokémon préférés en stratégie, c'est un Pokémon que j'adore. Voilà, il a tout ce que j'aime, un sweeper rapide, physique, c'est tout ce que j'aime, et en plus il est stylé. Il fallait que je le mette dans mes top 10, de top 10 de mes teams préférés. En vrai, il n'y a pas grand chose à expliquer pour cette team. Scarflando, Tapu Fini, Tangrowth, Citrane, encore une fois c'est du classique, mais avec du coup le corps Galam, Zygarde, qui fait bien plaisir. Allez, du coup on va passer à la toute dernière team, qui est du coup une team que j'ai joué en live à l'heure où je vous parle hier, avec Volcarona, Z, Bug Buzz. Alors je voulais juste montrer cette team, qui est d'ailleurs une team qui avait déjà été jouée en tournoi par Eternal Spirit contre Kickasser. Une team très intéressante parce qu'il y a Volcarona. Et Volcarona est un Pokémon très très important dans le metagame overused. Il y en a un Pokémon que je déteste d'ailleurs, je vais vous le dire. Je déteste ce Pokémon parce que ça te force à jouer des trucs que t'as pas envie de jouer, juste parce que t'es potentiellement 6-0 par ce truc. Du coup, en plus, il peut avoir Roost, il peut avoir 20 milliards de trucs, Fiery Dance, Fire Blast, Lance Flamme, Bug Buzz, HP Ground, Giga Drain. Il est chiant ce Pokémon, il est chiant. Et il est surtout broken avec Latias Healing Wish, dans le sens où en fait tu vas avoir deux Volcarona. Tu te passes avec Volcarona, tu fais tous tes dégâts, voilà, toi là, tu te fais fake KO, tu te fais weaken et tout, mais c'est pas grave. Une fois que tu as fait tous tes dégâts avec Volcarona, tu switch, et puis tu Healing Wish avec ton Latias, tu retournes sur Volcarona et tu recommences. Et du coup, tu as deux Volcarona qui peuvent déjà, un, ça suffit pour faire un sweep, alors deux, t'imagines. C'est assez violent. Alors on a un Whirlpool Tapu Fini, vous allez me dire, pourquoi c'est nul? Alors en vrai, oui, c'est un peu nul, mais Whirlpool, ça permet de trap Toxapex. Et Toxapex, c'est le seul counter réel à ce Volcarona. Du coup, quand tu trappes le Toxapex, il n'y a plus de Toxapex, bah Volcarona, il a gagné. Donc concrètement, avoir Whirlpool, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. T'as pas Moonblast qui est un peu chiant. En vrai, je pense que tu pourrais virer. Tu pourrais rien virer en vrai. Maintenant que j'y réfléchis, je me dis qu'il faut pas Moonblast. Il faut vraiment ce set là. Ensuite, on a le Ashgrain. On change pas une équipe qui gagne. Et on a le Scarflando. Ah non, on n'a pas Scarflando. Petit réflexe, on n'a pas Scarflando. On a Yeshberry. Ah, j'adore ce set. C'est peut-être mon set préféré de Lando. Parce que justement, il vient sur tout. Et surtout, à chaque fois, tu peux mettre tes rocks tranquille. Tu peux venir sur Magarna. Tu peux venir sur tous les Landorus du monde. Tu peux venir sur Medicham. Tu peux venir sur Tapu Koko.
c'est un plaisir incroyable. Et surtout, tu peux surprendre tellement de trucs, genre Medicham qui fait Ice Punch et qui se prend un Earthquake derrière. T'as plus Coco qui croit qu'il one shot parce qu'il est Specs, et en fait non. C'est tellement incroyable. Et tu gagnes tous les duels de Lando aussi. C'est quand même assez stylé de pouvoir gagner tous les duels du monde. C'est le Lando qui bat tous les Lando de l'histoire de l'humanité. À part si c'est un mec qui a pas eu l'intimidation et qui te faisait de fly, en général, tu vas prendre cher. Ensuite, on a le Sizer Curse, hein, encore lui. Je crois que c'est la méga que j'ai plus joué cette année. Hein. Au début, c'était Mega Mawile, maintenant c'est Sizer Curse. À cause de qui? À cause de Zygarde. Quand je vous disais pourquoi je veux ban Zygarde, Sizer Curse dans toutes les teams, c'est un cancer absolu. Et du coup, le dernier Pokémon de cette team, c'est Latias Scarf avec Surf, parce que sinon, t'es un peu weak à Itran. Healing Wish Defog et Dracometeor Defog, évidemment assez important d'avoir deux Defog quand tu joues Volcarona parce que c'est quand même le truc le plus important de ta team. Donc voilà, bah écoutez, on l'a fait en presque 30 minutes hein, de record. Le top 10 de mes teams préférés en 2018, vous pouvez en profiter. Voilà, je mets le Poképast dans le chat. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petites teams là, s'il y en a que vous préférez à d'autres. Juste un petit bilan de ce que j'ai pensé de la stratégie OU en 2018. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. En vrai, en ce moment, j'adore build et je pense sincèrement que je vais encore plus kiffer une fois que Zygarde sera parti. Il ne partira pas, je pense pas, mais j'aimerais vraiment qu'il parte parce que Zygarde, je pense que c'est presque la petite épine qui fait que l'overused est un peu cancer des fois, mais on a un potentiel extraordinaire dans l'overused. C'est clairement ma génération préférée en termes de stratégie. Les Z-Moves, ça a apporté un truc incroyable. J'ai pas toujours été tendre avec les innovations de Game Freak, que ce soit dans l'aventure ou en stratégie, mais alors là je peux vous dire que les Zen Move c'est un truc génial et la 7ème génération en termes de stratégie est géniale. Donc voilà pour mon petit bilan de cette année 2018. J'espère que ça va être encore mieux en 2019 hein, parce que 2018 j'ai eu ma première participation à la Coupe du Monde, j'ai remporté mon premier tournoi Smogon après participer à mon premier tournoi Smogon hein, j'ai quand même remporté mon premier tournoi, j'ai été pris pour la Smogon Première Ligue hein, je vais faire des vidéos sur la Smogon Première Ligue, le tournoi dont tout le monde rêve, qui est un petit peu le tournoi le plus hype de Smogon. J'ai été pris et j'ai même fait les playoffs d'un tournoi officiel en solo. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais rêver de faire sur Smogon. Donc c'est une année vraiment vraiment importante pour moi 2018 et j'espère que 2019 sera encore meilleur. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Checkez la description, le Twitter, le Tipeee et surtout, mesdames et messieurs, passez une bonne année 2019. Bonne année à ceux qui regardent cette année en 2019 et surtout, sortez couverts.